You look lonely. I can fix that. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien sur cette magnifique vue. Regardez ma lune, elle est magnifique, elle est devant vous et c'est superbe. Nous sommes évidemment sur Talos One pour ce 10e épisode de Prey, notre aventure spatio-horrifique. J'ai envie de vous dire, on est donc dans l'arboretum comme convenu. Enfin, nous allons pouvoir l'explorer de fond en comble et continuer notre quête principale, évidemment, direction la zone de stockage à 120 mètres. Mais d'abord, donc voilà, on va un petit peu fouiller. J'ai vu cette trappe. Mais je crois que, voilà, comme ça fait un moment, j'ai oublié. Mais je crois que c'est de là qu'on vient, hein. Ah. Oui, voilà, c'est ça, c'est de là qu'on vient. C'est de là qu'on vient, et c'est vrai que d'ailleurs, ici... Ici, il y avait un monstre quand on était... Mais attendez, mais je voulais un recycleur, mais je suis débile. Tout est là. Oula. Tout est là, donc c'est parfait, on va en profiter. C'est vrai que c'est... En vrai, c'est notre petit checkpoint ici, hein. C'est notre petit checkpoint, les amis. Donc voilà, on va commencer cet épisode ainsi. Oui, ça, c'est... Ça, c'est pour l'objectif secondaire qu'on n'a pas pu faire, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va jeter tout ça. Tac, tac. Cigare usagé. Par contre, ça, je me suis trompé, je prends. Voilà. Ça, on jette les cookies. Je vais les manger. C'est bon, les cookies. Tac, charge UM en gare en guillant gelé. Je vais également manger. Comme ça, ça nous donne plein de santé. Circuit imprimé gris. Regardez comment on se fait plaisir dans l'inventaire là. Regardez comment on se fait plaisir dans l'inventaire. Ah non, mais ça, j'en ai besoin. Ça, oui, tout à fait. Hop, voilà, on commence à y voir un peu plus clair. Mais bon, c'est vrai qu'on a un petit inventaire, comme dit. C'est un petit peu ennuyant. Mais bon. Voilà, allez. Recycler, c'est gagné. Bam 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 bam. Et on va se permettre également de se refaire des munitions si c'est possible. Des balles de 9 mm, je ne peux pas. Peut-être des balles de fusil à pompe, ce serait pas mal. Maintenant qu'on peut en faire. Cartouche de fusil à pompe, j'ai pas ce qu'il faut, c'est une blague. Bon, et ben on va créer des kits de secours. Parce que les kits de secours, comment dire, oh, bah, c'est quelque peu important. D'ailleurs, on a encore des trucs pour réparer les combinaisons, hein. J'en ai 7 au total, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous kiffez cette aventure. Si c'est le cas, je compte sur vous évidemment. Votre plus beau pouce bleu qui régale, qui fait plaisir, et votre petit commentaire encore une fois. Je vous en serai infiniment reconnaissant. Voilà. Et on est parti pour l'exploration totale. Parce que, à mon avis, évidemment, avec le stress, on n'a pas du tout tout vu. Et là, regardez, je passe déjà par des petits passages, par des petits recoins où je me dis... Où je me dis... Je me dis que c'est toi. Non, je pensais que je pourrais aller pas sur le toit, mais malheureusement non. Experimental plant grow in process. Donc ça, on avait déjà vu. Mais non. Mais c'est incroyable. On n'avait même pas appuyé sur ce bouton alors qu'on avait vu... on était passé devant. C'est bien, c'est superbe. C'est très agréable. Jamon tomato supérieur. C'est bon les tomates, hein. C'est très très bon les tomates, hein. Moi je monte toujours mes fesses aux tomates, hein. Ça les fait rougir. Oh, let's go. Regardez-moi ça. On n'avait même pas vu cette porte, hein. C'est incroyable. Alors vous l'avez certainement vu et vous m'avez gueulé dessus en commentaire, hein. Je vous connais les gars. Je vous connais les loulous. Erreur, mais non, pas d'erreur. Alors qu'avons-nous là? Clé à griffe. Une note, accord final. Julien, je suis passé vous voir mais vous n'étiez pas là. J'ai parcouru vos rapports d'expérience. Les plantes ne présentent aucun risque sanitaire. Impeccable, on va pouvoir les manger donc. Ressort rouillé, sac d'engrais. C'est pour se battre ça. Ça c'est pour se battre. Fil dénudé, on va pouvoir repasser au recycleur. Ouh, blinirus, frites croustillantes. Ah là là, un petit peu de Belgique par ici. Un kit de secours. Eh ben prends. Oh, c'est bugué. Vraiment là? Je peux pas le prendre? Oh, c'était un mimique. C'était un mimique qui était caché en boîte de secours. Patard. Ah, c'est super. J'adore ce jeu. Ce jeu est fou. Est-ce que je vais le dire plusieurs fois jusqu'à la fin? C'est fort possible, évidemment. Bon, bon, là, on connaît, hein. Il y a quelqu'un à sauver là-dedans.
Malheureusement, je ne sais pas encore comment faire. Mais tu ne peux pas m'obliger à faire ça. Bonjour, avez-vous pris rendez-vous? On saura bientôt. Parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un en vie encore dedans. Hein. Peut-être que... On ne sait jamais. Hein. Ouais. Ils n'arrêteront pas de vous traquer. Tant qu'ils n'en auront pas fini avec vous, quelque chose approche. Eh mais attends, si je la tire, il va peut-être ouvrir la porte. Attends, viens là mon gars. Eh oh. Voilà. Viens m'attaquer. Ah. Oh non, c'est horrible. Je peux pas m'arrêter. Non. Ah ouais, bon non, c'est un vrai supplice. Hein. Ne me laissez pas mourir comme ça. Bah ouais, j'aimerais bien vous aider les gars. Bon bah ça ne marche pas, j'essaye des trucs. Ah, j'ai trop le seum. Ça me fait trop mal de les voir comme ça en vrai. Ça me fait trop mal de les voir comme ça. Bon. C'est quoi l'objectif à 50 mètres là? Oh, mais on a récupéré une carte d'accès dans le dernier épisode à la fin. Me dis pas que c'est pour ouvrir ici. Non? Ah non, il faut alimenter la porte. Mais putain, mais je suis débile. Mais c'est oh, c'est de la convien. Sérieusement. Mettre sous tension c'est... Eh ben voilà. C'est de la convien bêtement. Par contre il veut m'emmener où là à 20 mètres? Bon je pense que c'est, oui c'est les autres objectifs hein. Sauver Rani. Mais ouais Rani, mais comment je vais faire pour te sauver? Oh là 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 là, je peux pas t'ouvrir la porte. Je peux que te tuer d'ailleurs. Bon, ça c'est fait. On a pu explorer ici, ça me fait plaisir. Le lobby, on y est allé. On a pu voir pas mal de choses. Ensuite, Crew Quarters. Ici on avait tout vu. Oh quoique maintenant est-ce qu'on peut. Non, on n'a pas la carte d'accès. Il nous fallait une carte d'accès également en bas. Peut-être que c'est ce qu'on a récupéré. Bonjour. Ravi de vous revoir, Dr. Yu. Non. Dommage. Alors on refait le tour, on sait jamais. Bon. Et ben on va pouvoir continuer direction la zone de stockage. Maintenant qu'on a un peu plus de skill, si je puis dire, et ben on devrait peut-être réussir à affronter le fantôme qui se démultiplie là où c'était la galère. Oh. Raccordement électrique. Ok. Ah, il y a là aussi. Qu'on ne peut pas ouvrir. On n'a pas de code, hein. On n'a pas de code, non? Allez, j'essaye. 6, 5, 4, 7. Magnifique. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Ah, il y avait aussi en bas Bridge. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a aussi quelque chose à faire là-bas. Tiens, on n'est pas encore allé ici. Mais mec. Mais mec, il sort d'où lui? Il sort d'où lui, vraiment? Ça c'est gênant. Voilà, allez. T'arrêtes de faire chier. Ça va la comédie. Voilà. T'as, j'ai plus de munitions glues hein, par contre. Hein. Attends, le fantôme, on va essayer de se le faire. Voilà. Voilà, fantôme. Ah, ça c'est un fantôme thermique. Putain, mais ça n'a rien à voir. C'est pas un fantôme éthéré. Non, mais là je vais péter un plomb. Oh là là. Faiblesse psychique, immunité, feu. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Un truc d'opérateur, vas-y, je libère. Attends, on est passé à côté également. Incroyable. Mince. Allez. Allez, allez. Oh non. Allez. Oui, c'est bon. On y arrive les amis, bien sûr. Et c'est les opérateurs de quoi? On sait pas. Demande de nouvel opérateur. Médical. C'est des médicales, médicaux. Opérateur infirmière. Pas du tout. Votre combinaison. Examen terminé. Parfait. Ah mais il y en a plusieurs.
Ok. Nouvelle attitude. Donc on a un éthéré, on a un thermique, donc c'est encore plus dur que prévu. C'est impeccable. C'est impeccable. Comme si c'était pas assez difficile. Me diriez-vous. Bon, j'ai besoin de votre soutien, les amis. Hein. Alors, toi. Tu commences pas à me choper par le callback. Wesh. Non, mais toujours plus. C'est de la fausse. C'est une vitre d'eau, mais c'est quoi cette histoire? Si je descends, je suis foutu là. Si je descends, je suis foutu. Mais attendez, tout ça c'est faux là? Ouais, c'est ça, ouais. Attends, bouge pas. Bouge pas, mon grand. Bouge pas, mon copain, ça va bien se passer. Bon après-midi, Talos. N'hésitez pas à féliciter le docteur Lorenzo Calvino, vainqueur de la récompense meilleure innovation de ce trimestre. Voilà, il est mort. Il est mort, j'ai plus de balles, j'ai plus rien. C'est impeccable. C'est impeccable. C'est très joli. Il y a trop de trucs. Bon, je vais me balader par là pour changer un peu. Parce qu'il faut qu'on explore de fond en comble. Wesh, miroir, choix de la scène. Oh, pistolet silencieux, prendre munitions, bien sûr. Merci, merci, merci. Donné par Catherine Yu, 23 mai 2030. Hein, j'aurai 30 ans, c'est incroyable. Hein. Ok, donc là on va pouvoir mater des vidéos. Enfin, je dis ça, mais non. Oh, j'ai trop le seum, on peut même pas avoir de vidéos. On peut pas avoir de vidéos là. Je vais voir une vidéo de Siphano. Bon. Relaxation area. Oh, on peut se relaxer, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement chouette. Hein. Enfin, sans les monstres. Hein. Mais là, j'avoue, je me sentirais à peu près bien. Un peu effrayant. D'être dans l'espace, évidemment, mais bon. Le cycle de distorsion, tome 4. Ouais, c'est un petit jardin, quoi. C'est un arboretum, quoi, tout simplement. Fantôme thermique. Ok. Ah là, j'ai bien fait le tour. Voilà, là on a un beau petit plan là. Compartiment à armes. On peut pas malheureusement l'ouvrir. On est au niveau 3 actuellement. Le niveau 2 d'où on vient. Le niveau 4, bureau d'Alex. On a la carte d'accès du bureau d'Alex, je crois. Va falloir qu'on monte. Et pour monter, va falloir qu'on aille là. Ah, t'as plusieurs ascenseurs. Wesh. Non, c'est même pas d'où on vient le niveau 1. Je comprends plus rien. Impressionnant, n'est-ce pas? Oula. Oula. T'approches pas de moi comme ça? Hein? Oula là. Je me suis mis dans un petit bourbier là, non? En vrai, allez, une petite sauvegarde rapide. Ça régale, ça carry. Y'a carry. Et puis on va pouvoir y aller et essayer. Oh bâtard. Ah mais ils font des relais aussi. Ils sont hors de portée, je peux rien faire. Ah! Au secours! Allez, salut! Et me voici en bas. En toute sécurité. Transcribe. Ivy, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? J'arrive pas à ouvrir cette saloperie. Où est Daniel? Elle répond toujours pas. Pourquoi? Seule la voix de Daniel. Attendez, carte au trésor pour ramener Exolirus. Mais les gars, arrêtez vos conneries. Déverrouillez ce truc. Il faut que je vous remédie de la phrase clé ou on rentrera jamais. Est-ce que
que des échantillons de voix marcheraient. Arrête. Des soins, il me faut des soins, voilà. Des enregistrements transcrits. Ouais, s'ils contiennent les bons mots. Ou si on en a assez pour faire correspondre sa voix à une liste de consonnes et voyelles et commencer à créer des schémas. Je vais tenter de la retrouver. Elle ou son transcribe. Je vais voir dans sa chambre. Ok, mais Ivy, ne fais rien de stupide. Ivy ? Ivy ? Merde. Bordel, Daniel, vous êtes où ? Oh là 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 ! Colmater la brèche. Trop de trucs à faire. Que le chef Shaw soit encore en vie. Vous devriez suivre la méthode de Zachary West. Éditez ensemble plusieurs échantillons vocaux. Votre transcribe est équipé du logiciel requis. C'est ainsi que vous avez conçu ma voix. Commencez par chercher dans la cabine de Daniel. Bon. La suite du jeu se passe ici, si j'ai bien compris. Des échos au creux de la main. Ah, attendez, on va juste vérifier. Parce que colmater la brèche, c'est du secondaire. Hein. Il me semble. L'histoire principale. Localisation d'échantillons vocaux. Quartier de l'équipage. Fouiller la cabine de Daniel Shaw pour trouver des échantillons vocaux. Ah ouais, on n'y est pas du tout là. Faut qu'on redescende. Ouais, donc là on peut pas y aller encore. Identification vocale. Ouais. Donc là il nous faut des échantillons vocaux et ça se passe en haut. Là je peux ressortir de la station, vous savez, c'est l'extérieur, donc la zone où on peut voler, hein, on est dans l'espace. Voilà, on a plusieurs endroits comme ça. Il va se détendre. Bon, du coup j'ai pu en tuer un, c'est pas mal. D'ailleurs je vais faire une petite sauvegarde rapide. Voilà, on va essayer de se faire l'autre quand même. Avec 15 balles de d'armes, c'est pas mal. C'est pas mal. L'heure à typhon, charge IUM. Mais je crois que lui il s'en fout. Hein. Ah ouais, il s'en bat les couilles. Hein. Paf! Je t'ai paralysé, mais il s'en bat les couilles aussi. Aïe! Ça va où en bas du coup là? J'ai envie d'y aller, mais j'ai. Attends. Ah ouais, il a perdu aucun dégât lui. Oh, des fleurs. Arrête! J'ai plus de balles. Bah ouais, mais j'ai plus de balles, je fais comment? J'ai plus de balles? Comment je lui mets des dégâts en vrai? Superbe. Oh la glissade. Oh, c'est du génie. Bon, il est mid-life. Je peux pas recharger les psys? Ah, je peux pas, donc je peux pas utiliser mon pouvoir. Oh là là, il me faut 40 psys et j'en ai 15. Comment je peux faire? Parce que ça y est, je commence à voir le truc là, t'as vu? Je commence à voir le truc. Faut que je me batte avec ça. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ça, je peux pas porter. Aïe 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 aïe. Faut que je porte des trucs. Déjà, donne-moi ça. Donne-moi ça. Voilà, on va se le faire là. Vous inquiétez pas, on va se le faire. Paf! Voilà, un régal. Un régal. Paf! Je suis mort. Je suis absolument mort. Je lui ai fait aucun dégât avec mes machins. Je lui ai fait aucun dégât avec mes machins. J'ai besoin de toi, mec. Inspection en cours. Votre combinaison. Voilà. Merci, mon gars. Je sais toujours pas comment le. Putain, j'ai pas de munitions. Comment veux-tu? Attends. Vraiment là? Leur atifon charge recyclante. Attire les objets. Ah, il s'en fout des charges IUM. Voilà, voilà, voilà. Bah là, je comprends pas. Je comprends pas comment. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va devoir le. Bah, on va devoir l'ignorer pour le moment. Hein. Putain, je peux rien faire, c'est chiant. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pas que je suis là en plus. Bah si, mais. Oh la boulette! Oh la boulette!
Oh la boulette. Bon. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Déjà là-bas, il y a un truc à pirater, j'ai vu là. Donc là, il fait le tour, c'est bon. Là, il y a un truc ici là. Ah, le bureau d'Alex. Je peux pas le pirater. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Donc là, je ne peux rien faire. J'aimerais bien monter en haut. En vrai, j'aimerais bien monter en haut là. Oh. Je suis un génie. Je suis un génie du mal. Je sais pas si je suis censé être là. Mais je suis là. Bonjour, ravi de vous voir, Docteur Yu. Mec, j'adore ce jeu. Je sais pas comment tu y accèdes autrement. Mais attendez. Je veux juste vérifier s'il n'y avait pas un autre accès pour y aller. Oh bah si, en passant par là bien sûr. En passant par là. Que je ne peux pas pirater. Non, c'est incroyable. Alors je sais pas si c'est legit ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait. En tout cas le bureau d'Alex. Nous y sommes. Tu t'introduisais en douce dans ma chambre quand on était enfant. Tu bidouillais mon ordinateur. Je me souviens du jour où tu as effacé mes sauvegardes de Galactic Conquistador. Je t'ai cassé le bras quand je m'en suis rendu compte. Je le regrette aujourd'hui. Mais je n'aime toujours pas que tu touches à mes affaires. Désolé, mon frérot. De toute façon, je peux pas te pirater, t'inquiète. Trop loin, trop vite. Tu lis des beaux livres ? Hop là, je suis énervé, je casse tout. Voilà, je casse le bureau de mon frère. Modificateur d'armes. Ah mince, c'est embêtant, c'est toujours sympa ça. C'est toujours sympa, bah c'est pas grave. Je vais boire ça, regardez. Hop, voilà, tac. Et là, je peux le prendre. Voilà. Et là, hop. Modificateur d'armes, on va l'améliorer. On va améliorer le pistolet, c'est ce que j'utilise le plus, hein, franchement. Hein. Ah mais je peux pas. Le fusil à pompe. Qu'est-ce que je viens de faire? Ah non, j'ai jeté. Pardon. Comment on fait? Améliorer. Fusil à pompe. Voilà. Munition max. 5 au lieu de 4. Ça c'est pas mal. Parce que quand tu recharges, c'est une tannée. Hein. Voilà. Bon. Ouais mais du coup ça sert à rien d'être là. Puisque c'est verrouillé. Là, je peux pas ouvrir. Puisqu'il y a une boîte. Ça m'a l'air très intéressant ce qu'il y a en plus. Donc là, je me suis bien fait arnaquer. Je pense que... En fait, je speedrun le jeu d'une certaine façon. Attendez, neuromode. Il veut du piratage quoi? Attendez, ingénieur. C'est où le piratage? Sécurité, pardon. Mais non. Attendez, c'est où le piratage? Je suis débile. Piratage, voilà. Piratage 3. Ah non, c'est même piratage 4 qu'il faut. Oh là là. Oh là, je suis clairement pas bon là. Je pense que je suis même pas censé être là en réalité. Parce que je peux même pas... Oh là là, le télescope. Incroyable, regardez la lune comme elle est belle. On peut même encore voir Neil Armstrong, c'est le mec. Table basse. Terraformer Mars. Voilà, qui pourra servir à Elon Musk. Enfin, qui aura même servi finalement à Elon Musk en cette année-là. Il y a des sacs partout, hein. Tout ça, ça sert à se battre. Hein. Il va se passer des dingues. Hein. Il va se passer des dingues. C'est magnifique, il n'y a rien à faire là. Je me suis fait arnaquer. Oh, pièce détachée, clé à griffe, ressort rouillé, fil dénudé. Peut-être là. Oh, c'est pas anodin ça. C'est pas anodin. Ah. Y'a rien à faire. Stand clear. Ok. Y'a forcément. Ah. Voyez-vous ça? Voyez-vous ça? Mais là, c'est quoi l'objectif là concrètement? Enfin, si, je sais, c'est les trucs de. Localiser. Localisation d'échantillons vocaux. Ah. Ah oui, mais je suis pas là où il faut de toute façon encore.
D'accord. Mais moi, je veux sauver Rani. Oh, trouver Dr. Julien Howard. Mais moi, ouais, putain, moi je vais faire. Moi. Je vais trouver. Je vais aller là-bas, moi. Je vais aller là-haut. Ça m'énerve. Bon, bah, il y a tellement de trucs à faire. En plus, il y a encore des trucs à faire ici. Hein. Il y a encore trop de trucs à faire ici, les gars. Eh. 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 Est-ce que j'ai l'œil ou pas? Eh. Est-ce que j'ai l'œil ou pas? Arrête. Hein. Marietta Krikos. Et voilà, carte d'accès. Carte d'accès, transcribe. Bonbons, je prends. C'est bon les bonbons. Ça, je prends pas. Et d'ailleurs... D'ailleurs, je vais également me débarrasser de cette clé à... J'ai deux clés à griffes en trop, là. N'importe quoi. Voilà. Et les cartouches de fusil à pompe. Ouais, où c'est que je suis, je ne sais pas, mais c'est superbe. J'adore. J'adore. Oh. Du coup, j'ai récupéré des munitions, en vrai. Bon, pas énormément. Là, ce serait pas mal de pouvoir l'affronter, là, le fantôme. C'est pareil, là, je peux aller en bas, là. Allez, je fais une sauvegarde rapide, les amis. On va essayer de se le faire encore, lui, là. On va essayer de se le faire encore. Et peu importe que j'y arrive ou pas, après, on descendra. D'accord. C'est pas grave, fallait essayer, c'est pas grave. Oh la vache. Oh la vache. Voilà. Prends ça dans ta gueule. Impeccable. Je tente le tout pour le tout, les gars. Je tente le tout pour le tout. Je tente le tout pour le tout. Inspection en cours. L'intégrité de votre combinaison est sur le... Voilà. On a rien à perdre, de toute façon. Envoyez vos demandes d'aide ou vos questions relatives à la sécurité à transtar.talos. Voilà, un régal. Paf, paf, c'est pas grave. Voilà, bah, fallait essayer. C'est chaud, hein. Bah après, quand t'as pas de munitions, c'est compliqué. Mais t'as vu, je lui ai mis cher en vrai avec mes munitions. Mais comme j'en avais pas assez, malheureusement, c'est pas grave. Voilà, on aura essayé. Donc on va descendre du coup. D'accord. Allez. Oh non. C'est encore mis dans un bourbier là. Vraiment. Opérateur à l'approche. Vraiment. Allez, dernière recherche sur lui. Voilà. Ça c'est pas mal. Bon, lui normalement on le fume. Lui, normalement, on le fume. Ah bah, si ça bug pas, c'est mieux, c'est sûr. Ah, ça c'est gênant. Bon après-midi, voilà. Rappel de sécurité. Bon, ampli électrostatique, vous avez obtenu une puce. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Augmente les dégâts infligés par l'onde électrostatique. L'onde électrostatique. Est-ce que c'est ça au moins? Énergie. Onde de choc. Ah non, c'est pas l'onde électrostatique. C'est ça l'onde électrostatique. Ok, d'accord. Dommage. Ok. On va essayer de rien louper parce qu'à mon avis, il y a de la dingue. Ça, je prends. Moi, j'aimerais des munitions. Ouais, voilà. Ok. C'est sympa ici. Qu'en pensez-vous?
J'aime bien. Ok, bon, j'éteins la lumière, je trouve qu'on voit mieux sans la lumière encore une fois. Ça je prends. Je vais reprendre le pistolet à glu. Une caisse, synthétic cube. Ok. Là ça remonte ici. Je préfère faire le tour plusieurs fois. Ok, y'a rien d'autre. Nous on vient de là-haut, ouais. Ah! Parfait ça. Bureau mobile. Excusez-moi messieurs les tourelles. J'avais pas fait exprès. Sauvegarde rapide. Et on est là. Et on est là. On est de retour ici. Parfait. Batterie de disjoncteur. Eh attends, ça va où là? Eh moi je vois ce genre de truc. Eh mon gars. T'as vu ça? Ça aurait été dommage de passer à côté d'un opérateur de médecin que je ne peux pas demander malheureusement. Ah mais ça revient là en fait. D'accord. Grand hall de Talos One. Attends quoi? Grand hall de Talos One. Ça va nous faire revenir au grand hall de Talos One. Quoi? Comment c'est possible? Attendez, là il y a un truc que je ne comprends rien, j'y vais et je reviendrai de toute façon très rapidement je pense. Parce que le grand hall de Talos One, c'est le gros hub, hein, c'est le tout début du jeu. Là où il y a de nouveau des monstres, ce qu'on avait dit. Alors ça m'étonne un petit peu, voyez-vous. Bon, je pense que tous les chemins mènent à Rome de toute façon. Eh oui, clé du... Mais non. Mais non. Mais la dinguerie. Et on a un ascenseur. Grand hall, arboretum. Mais what the fuck? C'est là qu'il y a le cadavre. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non mais là, là je comprends plus rien à ma vie là. Là je comprends plus rien à ma vie là. Allez à Arboretum. What? Ok, non mais c'est bon en fait. Y a rien de choquant. C'est logique. Mais je... D'accord. Est-ce qu'il va mettre au bon endroit au moins? Ah ouais. Bon, c'est impressionnant. Impressionnant. Mais non mais regarde. On est de nouveau dans... Bonjour, content de vous voir. Ah putain, mais je suis... Mais bien sûr. Oh là 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 là. Oh purée de pommes de terre. Ah ouais d'accord. Ouais. Bon, vous avez compris où on est, c'est superbe. Donc là, on n'a plus qu'un seul chemin en soi. Oh la vache. Vraiment là. Mais c'était logique en plus. Mais qu'est-ce que j'ai dans le crâne, je ne sais pas. Voilà, allez, sauvegarde. Et là maintenant on va aller au bridge. Et par contre avec zéro munition, je sais pas ce que ça va donner. Ça risque d'être une vraie régalade. Oh, j'ai fait une bêtise. Au secours. Voilà, et là on est dans un nouvel endroit. Là on est dans un nouvel endroit. Ok. Merci. Bridge. Passerelle de Talos One. Allez, on y va. Je sais pas si c'est par là de toute façon que la quête principale nous attend, mais on y va. C'est complètement fou. C'est ça, c'est un vrai open world. Ça, c'est un vrai open world. Ah oui, je m'en souviens. Nouvelle attitude. Impeccable. Impeccable. Oh, il vient sur moi. Oh, il vient sur moi, mais j'ai même pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit. J'ai aucune munition, j'ai rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, non. C'est injuste.
C'est injuste. Oh là là. Oh la chatte à la gigine. Oh non. Arrête. Arme déconnectée, d'accord. Ok. Ah ouais, non. Ouais mais frère, attends mais là, vous... Alors attends. Les fantômes voltaïques, c'est vraiment fantastique. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire en fait. Tu peux pas utiliser d'armes contre eux. Tu m'expliques? Est-ce que tu m'expliques? Données, recherche, fantôme thermique, machin, voltaïque. Regarde. Immunité, électricité, étourdissement. Ah oui, donc tu peux... Ah mais tu peux rien leur faire en fait. Ah, faiblesse IEM. Ah, ok. D'accord. Ça c'est bon à savoir. Ça c'est bon à savoir. C'est tout l'inverse de, des autres. Alors, on va le rescanner. Bon, on n'aura pas le temps. Allez. Allez. Mais allez. Ah ouais, d'accord, ouais. Allez, va te faire foutre là. Allez, va te faire foutre. Allez, meurs. 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 Allez, reste par terre. Reste au sol. Voilà. Ça dégage. Et ça, il faut. Magnifique. Bon, par contre, j'ai trop le seum parce que j'ai usé. Bah, toutes mes grenades IEM. Voilà. J'ai usé toutes mes grenades IEM comme un teubé. Alors que, en fait, une, je pense, aurait largement suffi. Et j'ai pas pu le scanner entièrement. Voilà. Chier. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon. Où est-ce qu'on est là? Oh, c'est de toute beauté. Oh, c'est de toute beauté. Fantôme voltaïque? Où ça? Ah là. Ah mais j'ai plus de... J'ai plus d'IUM moi. J'ai plus d'IUM, je suis bête. Mmh. Là y'a rien à faire. Email. Où êtes-vous? Salut Penny. Ok. C'est vraiment flippant. L'opérateur que je t'ai envoyé n'arrive pas à te localiser. Dommage. On va lancer une série de tests qui pourraient avoir un impact sur tes données. Et anniversaire surprise d'Izumi. C'est mignon. C'est mignon. Il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance ici. Charge IUM, ça y est, j'en ai une. Un petit transcrib également, ça régale. Capitaine, vous avez... Je pensais... Vous ne commencez que dans 2 heures, mais j'ai besoin de vous tout de suite. Un problème? Oui, et de taille. Passez d'abord par ma cabine. Apportez-moi le pistolet qui est dans mon coffre-fort. Je vous envoie le code. Très bien, capitaine. Ok, tout ça c'est des objectifs secondaires encore une fois, bien sûr. On s'en fout. Et on a un nouveau code en plus. Pour moi, Cotron. Alors oui, chef. J'ai vérifié les plans de vol pour la navette des volontaires, comme demandé. Vous aviez raison, elle a disparu des écrans pendant 12 minutes avant de reprendre sa route vers la Terre, mais avec une trajectoire légèrement différente. C'est presque invisible. Comme si elle était partie d'un autre endroit de la station ou qu'elle avait changé son plan de vol autour de Talos. 12 minutes? Et les autres navettes? Ça ne concerne que les navettes de volontaires. Toutes. Elles disparaissent pendant 8 à 10 minutes après avoir quitté la station puis réapparaissent soudainement. Les navettes VIP ne montrent pas la même irrégularité. Entendu. Ne parlez de ça à personne. Parlez de quoi, chef? Exactement. Bon travail, Matt. Et Lazare, terminé. Non mais il se passe trop de trucs. J'ai reçu un SOS d'un certain Kirk Kramer. J'allais le mener en sécurité, mais on a été coupé. Il a dit qu'il se trouvait près des modules d'évacuation du système de support de vie. Eh bien, appelez le chef Shaw dans le stockage. Je suis pas ingénieur réseau, moi. Mais c'est vous, son superviseur. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui se passe ici, ma petite dame?
L'une de mes zones de fret a été dévastée et plusieurs de mes hommes manquent à l'appel. Dites-moi qu'il y a une équipe médicale en route. Je suis désolée, j'en sais rien. Mais je peux faire passer votre message au docteur Devries. Bon sang, je dois y aller. Encore ? Ici le capitaine Jada Marks. Je tiens à expliquer pour la postérité ma décision concernant le sort de la navette Advent. Je suis incapable de déterminer avec certitude si l'Advent est parti avant d'être contaminé par les... Journal de vol, Scott Parker. Attendez, je vais juste lire ça. Décollage de la Terre à 0900, conditions réunies, ok. Vol calme jusqu'à 1113. Alors que nous manœuvrions dans un rayon de 60 km, une seconde navette apparut sur le radar dans les environs de celle en dérive. Tout ceci était très inhabituel. Nos passagers n'ont rien su de tout cet épisode. Mais par contre, l'arrivée sur Talos One s'est parfaitement déroulée. Et passagers comme cargaison arrivèrent sans encombre à bon port. Donc il se passe des choses étranges. Tueur ayant actuellement envahi Talos One. Si l'on en croit les données de télémétrie, l'Advent a quitté la station environ 30 minutes avant le premier incident rapporté par la sécurité. 30 minutes. C'est dans le cadre de cette minuscule fenêtre d'incertitude que je dois décider de faire exploser à distance ou non la navette et ses 5 passagers. Elle pourrait très bien conduire un chargement complet de mimiques tout droit sur Terre. Ou non. Capitaine, il est visiblement temps d'utiliser ce pistolet d'or. Il ne... Bon, c'est... Là, on apprend tout en même temps. En fait, là, on prend tout. Bon, on a à peu près compris le scénario, de toute façon, évidemment. Mais là, on a toutes les infos qui nous viennent, hein. D'un Alex, coup. Ici le capitaine Marks. Je vous appelle pour vous prévenir que j'ai autorisé l'évacuation totale de Talos One. J'ai tenté d'émettre un appel à l'aide au centre des opérations sur Terre, mais notre système de communication externe fait des siennes. Si vous êtes toujours parmi nous, sachez que nous resterons à nos postes jusqu'à ce que les derniers modules soient à bonne distance. Marks, terminé. Ok, bon, il s'est passé énormément de choses. Entre toutes les infos qu'on vient d'avoir, et surtout, vous avez vu, je viens de détruire... Je viens de détruire quelque chose. Un vaisseau, certainement. Je suis d'ailleurs absolument navré. On a des emails également ici. Navette Advent. Ah bah voilà, c'est la navette que je viens de détruire. Avant qu'il ne soit trop tard, je dois vous informer que la navette Advent a décollé juste avant les premières alertes. Ils ont passé l'inspection standard sans encombre, mais c'était avant de savoir ce qu'on devait chercher. Si jamais ils atterrissent à Seattle avec une de ces choses à bord, j'ai armé les charges explosives de l'Advent. Elles peuvent être mises à feu directement depuis la passerelle. La décision vous revient, capitaine. Donc, capitaine... Voilà. ils atteindront bientôt la Terre. Si ça peut vous réconforter, ils ignorent que les charges ont été armées. Donc là, ce qui vient de se passer, les amis... C'est que je viens de tuer, à l'instant T, hein, sans le vouloir vraiment, je viens de tuer plein d'innocents, mais j'ai sauvé la planète en vrai, en faisant ça. Parce que sinon, ils auraient atterri à Seattle, et ça aurait été The Last of Us. Tu vois ce que je veux dire? Capitaine Marx, votre transcript a été désactivé, je n'arrive pas à vous joindre. Bon, bah voilà. Y a plus de Jade. Très sympa en tout cas. Cette scène est absolument légendaire, j'adore. Cette scène est légendaire. C'est fou. Je kiffe, bordel. Voilà, oh. Du coup non, je t'ai déjà vu, je suis con. C'est incroyable, voilà, le capitaine, ça c'est fait. Bon après-midi, Talos. Merci. Le déjeuner est servi. Voilà, je t'ai coupé la parole. Mais non. Tout ceci, non mais, et c'est incroyable, tout ceci est faux. Tout n'est qu'une illusion, souvenez-vous. Nous sommes dans une simulation. Mais attends, là je commence à me... Tu sais que je vais finir par croire qu'on n'est pas dans l'espace là. Depuis le début on nous manipule, souvenez-vous. Mais qui nous dit que là on nous manipule pas en vrai? Mais non, mais putain. Les gars, je vais remettre en question tout le jeu là. Ça commence à me faire kiffer cette histoire là. Ça commence à me faire kiffer tout ça là. Mais non. En fait, si ça se trouve, tout ça, c'est également que de la simu. Inspection en cours. En vrai. Votre combinaison est endommagée. Je vais la réparer. Réparation terminée. Tout ça, c'est que de la simu. Ok, je vais pouvoir aller là après. Je vais pouvoir aller là après. Mais d'abord, je vais aller en bas là. Non mais là, là je suis bouche bée là. Je sais pas quoi dire. Ça me troue le cul.
Bon, là, je pense que ça doit être un accès. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est fou. C'est fou, je sais pas où aller. Il y a trop de choix. Donc là, je reviens là, ouais, c'est bon, ok. Donc on va aller là. On va aller là, ici. Ok. Oh là là, c'est fou. Très bien. Oh, dommage. Oh putain, j'ai pas la force physique 2. J'ai pas assez de neuromode en vrai. En vrai, hein. Force physique. Oh, d'or mince, il m'en faut un quatrième de neuromode. On était si proche du but. Dommage. On va pas pouvoir. On va pas pouvoir. Ah, on trouve des passages secrets qu'on peut pas exploiter. C'est dommage. On aurait eu des trucs secondaires. Pareil, vous avez vu, on a récupéré plein de cartes d'accès par contre. Hein. On a récupéré plein de cartes d'accès. Donc certainement qu'ils doivent ouvrir des portes qu'on a déjà vues au préalable. Mais également des portes qu'on a pas encore vues, bien sûr. C'est complètement dingue. Par contre... Non mais c'est fou, du coup tout ça c'est... Mais en fait du coup si ça se trouve tout ce qu'on voit depuis... Mais non mais c'est sûr. Dans l'arboretum. J'ai pas essayé mais si ça se trouve... Oh ! Dans l'arboretum, si ça se trouve les vitres elles se cassent. Alors... Sachant que je peux passer par là, non ? Absolument. Charge IUM. Oh, je suis trop bête. Viens là, viens là ! À terre ! À terre ! D'où caraï ! Paf ! Reste au sol ! Oh non ! Attends. Hop ! Reste au sol ! Reste au sol ! Oh non. Voilà. Allez, ça régale. Putain de jeu de merde. Non mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas intégré. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Je meurs, l'autre il m'agresse. C'est une blague. Pardon. D'accord. M'a fait peur ce. Mais. Mais c'est pas vrai! On va pas tous retaper quand même là! Ah! Attends! Ah, j'aurais dû faire une sauvegarde rapide, je suis en train de tout me retaper les amis. Oh, c'est dommage. Bon, ça on a lu. Hop, on mange tout. Bon, on a écouté tous les transcripts, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Bill. Ah, tu vois, il y a les cartes d'accès là, j'aurais pu repasser à côté, ça aurait été dommage. Ça aurait été franchement dommage. Placard, j'avais même pas vu. Il y avait du médoc ici. Caviar, du bon caviar, du bon vin. Eh, il se met bien le capitaine là. Il se met bien. Talos One. Système de haut-parleur. Annonce d'évacuation. Activé. Activé. Ok. Ça a l'air de bien marcher. Hein. Voilà, on casse. Donc, attendez. Franchement, maintenant, je remets en cause toutes les vitres que je vois. Hein. Je remets en cause toutes les vitres que je vois. Attendez. Sauvegarde rapide. Je reviens juste en arrière. Parce que là, il y avait aussi un ascenseur. Escape pods. Il y a trop d'endroits. Oh, que veux-tu faire? Ah. Ah, c'est bon, c'est un nid de kystoïde, ça va. Oh, le piège. Il y avait un nid juste là, apparemment. Salut, mon loulou. Bon, ça, c'est un fantôme classique. Ça, en 10 balles, c'est réglé, ça. J'ai compris. J'ai compris.
Cherche la merde. Aïe. T'inquiète, il va me suivre. T'inquiète, il va me suivre. Voilà, viens. Viens, mon grand. Non ? Ah, y'a quoi là ? Y'a rien. Genre, il vient pas. Genre, il veut pas venir. Attends, ça tombe super bien. Je vais pas user mes balles. Je vais pas user mes balles. S'il y a moyen de pas user ses balles. Oh, un petit kit de soins, ça régale. Hop. Par derrière. Voilà, allez. Ça va pas commencer à me taper sur le système. Petite sauvegarde rapide. Hein, on va pas se faire arnaquer. Qu'est-ce qu'on a là? Donc c'est les navettes d'évacuation. La sécurité à bord de Talos One est l'affaire de tous. Envoyez verrouiller la porte. Vos questions relatives à la sécurité à transtar.talos. Ok, donc tout ça c'est les modules d'évacuation. Mais il faut verrouiller la porte avant le lancement, d'accord. Ok. Est-ce que je peux porter quelque chose pour détruire le nid là? Voile sur le Nil. Tududu. Hop. Voilà. Comme ça, ça dégage la racaille. Oh, j'ai encore une nouvelle puce. Hein. Réduit les temps de chargement des pouvoirs psy. Ah bah ça je veux. Je veux à la place de ça. Puisque je ne l'utilise pas. Bonjour. Allez, on mange. Hein. On mange de toute façon tout ce qu'on peut. Donc là, c'est pareil. On ne peut pas initialiser le lancement. Oh. Et ben voilà. Ah oui, bah du coup, je peux pas. Oui, bah s'il y a personne dedans pour activer. Bon, et donc ils ont pas réussi à s'enfuir en gros. Hein. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre. Ils ont pas pu s'enfuir. Eh, attends, je peux m'enfuir moi? Oh! Wesh! Ces modules d'évacuation souffrent oh d'une défaillance. Non! Le service d'ingénierie a été prévenu. Veuillez utiliser un autre module. Eh ben, on va tous les faire. On va tous les faire, les gars. Je suis sûr qu'il y a un easter egg. Et on peut s'enfuir. C'est sûr. On va arrêter le let's play ici. T'sais. Allez. Il y a aucun monde où ça marche, mais bon. Ce module d'évacuation souffre d'une défaillance. Le service d'ingénierie a été prévenu. C'est ça, ouais. Vous utilisez un autre module. C'est ça, ouais. De toute façon, faut qu'on se les fasse tous parce qu'il y a peut-être des trucs à récupérer. On sait jamais. Et ça se trouve, ça va me faire un achievement, le fait de tous se les faire. Ah voilà, je croyais que ça marcherait pas. Incroyable. Ce module d'évacuation souffre d'une défaillance. C'est toi qui souffres. Le service d'ingénierie a été prévenu. Dommage. Vous utilisez un autre module. Drôle de bruit, hein. Voilà, bon, de toute façon ça marchera pas, hein. Ça sert à rien de les faire. Lui, on va juste l'ouvrir parce qu'on l'a pas encore ouvert. Et y a rien. Oh non, ils auraient pu faire un petit effort. Ok, bon bah les amis, c'est plutôt pas mal tout ça. On avance, on s'élance. Difficilement mais sûrement. Et puis surtout on a plus de munitions pour affronter l'autre. Et comme j'ai claqué toutes mes grenades IEM, ça me dégoûte hein. Ça me dégoûte. Oh. L'heure à typhon. J'ai même plus de munitions pour les balles quoi. Tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce que je peux... Voilà. Ah t'as, si j'ai même pas de place pour les munitions de pistolet, ça va être compliqué hein. Voilà, bon bah les amis, prochain épisode on va continuer, on va devoir affronter ce fantôme voltaïque. Et je suis vraiment curieux de voir si toutes les vitres sont fausses, si tout n'est que simulation. On avait téléchargé la carte, voilà. Salle de briefing, niveau -1,
Module d'évacuation, donc c'est ce qu'on a vu, il n'y a rien d'autre à explorer. Et le niveau 2, c'est le loft du capitaine. Donc là, tout se passe ici au niveau 1, dans la salle de briefing. Mais ça m'a l'air d'être un cul-de-sac, distributeur opérateur. Donc là, on est vraiment dans un cul-de-sac ici. Hein. C'est pas la suite du jeu là où on est, mais c'est cool, parce qu'on peut safe absolument toute la zone. Voilà. Donc on va s'en arrêter là pour cet épisode, les amis. J'espère que vous avez kiffé. Donc prochain épisode, on s'occupe de lui. Et ensuite, on va se barrer, bah, direction de nouveau la quête principale, hein, tout simplement. Voilà. N'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour la suite. C'était Mkolo, plein de bisous. Et ciao tout le monde. T'as kiffé cette vidéo d'Mkolo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache, nouvelle vidéo en ligne à 16h. Tu fais plaisir.